Le Q5 Maranatha TV passe un invité à la loupe. 5 questions directes. 5 réponses franches. C'est le Q5. Ouais, que mon âme était à toi. Et là, je t'ai eu. Tu croyais que ma vie était à toi. Shalom, shalom. Je sais que vous me reconnaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Bailly Kewa Claire à l'état civil. Et je suis chanteuse Claire Bailly désormais. Et ex-première dame du coupé décalé, d'où je viens, d'où le Seigneur m'a enlevée. Voilà, je faisais la musique moderne, profane, où je donnais la joie. Et pour le monde profane, ça dit où Satan me tenait en captivité. Aujourd'hui, c'est une grâce pour moi, c'est une bénédiction pour moi parce que c'est par la pure grâce de notre Seigneur Jésus que je suis venue à son service. Ce n'est pas par ma force, ni parce que je suis trop Claire Bailly, ni parce que je suis trop jolie, ni courte, ni grande, mais c'est par sa pure grâce. Alors, recevez-moi, moi c'est la chante Claire Bailly. Et je suis précisément à Maranatha Production. Et si vous savez c'est quoi Maranatha? Quand on dit Maranatha, ça veut dire que tu dois bouger, car Jésus revient très bientôt. Je vais couper court. Pourquoi? Parce que j'aurais beaucoup de choses à dire concernant cette maison de production, Maranatha Production, qui fait beaucoup pour la musique, en quelque sorte, parce que la musique appartient à Dieu. Tout ce qu'est musique, ça appartient à Dieu. Donc, un jour, on parlera de ça, de comment est-ce que je suis là aujourd'hui, de pourquoi est-ce que je suis là. On parlera de ça. Mais mon objet aujourd'hui, c'est de venir concrétiser quelque chose pour que Maranatha accompagne la chante Claire Bailly, parce que notre Seigneur aime de l'ordre. Notre Seigneur est un Dieu de discipline, donc il faut être là où il y a la discipline. Conversion, restez connectés sur cette chaîne-là, parce qu'on parlera vraiment très bientôt, en long en large, de ma conversion, ma vie, comment est-ce que je suis, Jésus m'a fait grâce d'être aujourd'hui, avec mes deux pieds, mes deux mains, ma tête, tout, à son service. C'est une grâce, comme je dis toujours, c'est une grâce parce que ce n'est pas du tout facile, voilà, de laisser les bonnes choses de la vie. Mais sachez une chose, la vraie vie et les bonnes choses, les vraies bonnes choses, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, parce que là, on a la liberté, on a la vie, on a tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Le reste, c'est que les photocopies. Amen. Donc, ma conversion, je vous parlerai de ça. Mais sachez que Jésus est rentré dans mon cœur. Il est assis. Il n'est pas venu encore pour retourner. Donc soyez tranquilles. À vous les enfants bénis de Dieu qui aiment Claire Bailly, toujours comme dans le passé, et qui continuent toujours de m'aimer. Et ceux même qui sont venus aujourd'hui, qui sont, on va dire, les fans. Je ne veux pas que vous soyez des fans, mais soyez des fans de Jésus-Christ. Amen. Voilà, à travers moi, soyez des fans de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le vrai amour. Prenez-le comme ami. Et moi, à travers moi, si Jésus peut faire pour moi, si je peux être en Jésus-Christ, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être en Jésus-Christ. Dans ma conversion, je vous parlerai de ça. Surtout, restez branchés sur cette chaîne et on va vous parler vraiment de tout ça. Parce que ce n'est pas un petit témoignage. Voilà, c'est les témoignages qui déménagent. Où on refuse l'argent, où on refuse des millions, où on te propose beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ te fait tenir bon. Parce que pour lui, là, c'est la meilleure chose. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ma conversion, je sais que vous la savez, à quel moment j'ai pris cette décision, c'était le 14 septembre 2019. C'était à mon concert, voilà, au Palais de la Culture. J'ai annoncé au monde entier que j'arrêtais tout ça parce que je veux servir le Seigneur. Et j'ai dit à Satan, j'étais eu, et il le sait. Mon âme ne l'appartient pas, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par rapport à beaucoup de signes, beaucoup de choses, et dont je ne veux pas parler comme ça. Il faut vraiment parler, prendre le temps de parler de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Alors soyez bénis et restez très connectés, parce que c'est ici là même que je ferai ce grand témoignage. Je suis toujours amie à eux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que toi tu as quitté que tu dois donner dos à ceux qui sont restés.
Je suis toujours amie à ceux avec qui je suis amie. Quand je dis amie, bon, on n'est pas vraiment amie. Même pour ceux avec qui je parle beaucoup, il y a Kérosène, il y a Chidivara. Je veux dire les gens avec qui je discute. Maintenant, hormis ça, ceux avec qui je discute aussi, pour dire que c'est des personnes avec qui je parle très, très souvent. Donc, j'ai une très, très bonne relation avec eux. Et mon souhait, c'est de tout en prier, comme les gens ont prié pour moi, pour qu'ils sachent que la meilleure passe en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ne vous inquiétez même pas. Concernant mes frères et sœurs que j'ai laissés là-bas, ils viendront à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'on a toujours des bons rapports. Mais pour l'album que je suis en train de préparer, vraiment rester branché parce que Claire Bailly, dans le monde profane, c'est quelqu'un qui mettait vraiment le show, n'est-ce pas? Vous me connaissez comme ça. Donc je ne peux pas venir à Christ, là où la louange même délivre l'homme, là où la louange libère l'âme, et puis je vais faire dormir les gens. Non, je suis venue pour mettre le show, Jésus-Christ, le feu, c'est Satan. C'est ça, c'est pour ça que je suis là. Donc, vraiment, l'album est comment on appelle ça, de plusieurs couleurs, on va dire. Il y a un peu du côté congolais, le Zouglou Gospel, et un peu de tout, quoi. Surtout notre touche, l'autre côté. En réalité, quand les gens disent même couper, décaler, ce n'est pas la musique couper, décaler qui dérange. Ce n'est pas ça, ce n'est même pas ça que je dénigre. C'est ce qu'on fait dans le couper, décaler qui dérange. Ce n'est pas la musique. Parce que la musique, les instruments, là, ce que vous entendez, ça n'appartient pas à Satan. La musique appartient, tout appartient à notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'on fait dedans. C'est la perfection, c'est ce qu'on vit dedans, c'est ce qu'on invente dedans. Là. C'est ça qui n'est pas bon. Et comme je le dis, je ne le fais pas parce que non, Jean, je suis mieux que les autres. Non. Mais Dieu est capable d'enlever beaucoup d'enfants dans ça. Beaucoup de personnes que j'ai laissées là-bas. Donc, et ces instruments-là, on va dire, cette sonorité aussi se retrouvera dedans parce que ça fait bouger, on va faire bouger le monde chrétien. Moi, en tout cas, je suis venu pour faire bouger le monde chrétien. Ce que j'ai fait pour Satan, je le ferai pour mon Dieu, parce que c'est lui le meilleur. Voilà. Le Q5.